très content de me trouver vraiment au volant de cet R8 Gordini qui a été toute ma jeunesse et aussi le début de ma carrière sportive à haut niveau en tant que pilote officiel de Renault. Et je pense que la régie Renault avait excessivement bien joué en présentant cette voiture, car elle a été le jouet, si je puis dire, de toute une génération de pilotes aussi bien en rallye qu'en circuit. C'est une voiture qui a un équilibre, a une joie de vivre que les voitures d'aujourd'hui n'ont plus, parce qu'on n'a plus que des tractions avant, les propulsions ont disparu, pour ainsi dire. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment l'expression totale du pilotage, de l'équilibre de la voiture et de la joie de conduire. La première photo qui avait été faite de la R8 Gordini 1100, ça a été fait au bois de Boulogne avec des mannequins et moi-même. Comme je devais courir le Tour de Corse pour la régie, il m'avait demandé de faire cette photo et sur cette photo apparaît aussi ma future femme qui est sur ce cliché. Et ce cliché a donné la première page de Sport Auto qu'on voit ici. Avec le même cliché que vous venez de voir, c'était la présentation de la R8 Gordini 1100 pour le salon 1964. Et pour la petite histoire, c'est la première fois que vous étiez à son volant. Exact, je n'avais jamais roulé avec la R8 Gordini, j'ai roulé avec cette voiture pour venir de Boulogne-Billancourt au bois de Boulogne. Quel a été le rôle de Gordini, son apport technique pour la réalisation de cette voiture ? Eh bien, je crois qu'il a apporté beaucoup de choses. Il en a apporté depuis déjà un certain temps à Renault avec la création de deux modèles Dauphine-Gordini. Mais là, il fallait aller plus loin et à la demande de la régie Renault qui voulait avoir une auto toujours dans le même esprit d'une voiture de grande diffusion devenant une voiture de compétition performante. Et là, Gordini dans le domaine du moteur, fait éclater son talent en utilisant des dessins de ses anciens moteurs de Formule 1 quand il courait avec les Simca Gordini. Cette culasse qu'il avait sur les Simca a été redessinée, bien entendu, adaptée pour le bloc de la R8 pour en faire la R8 Gordini 1100, puis après la R8 Gordini 1300. Alors pour Amédée Gordini, hip hip hip. Nous arrivons donc à la première victoire de l'R8 Gordini en rallye. Et cette voiture, c'est vous qui l'aviez pilotée. Alors comment ça s'était passé ? J'ai eu une voiture avec Roger Masson qui était mon coéquipier. Et j'ai donc participé à ce Tour de Corse qui était un Tour de Corse assez exceptionnel au point de vue climatique parce que c'était la tempête, ça se déroulait au mois de novembre. Et il y avait du brouillard, même de la neige dans les cols, les châtaignes. Tout ça faisait que la route était extrêmement difficile. Ici, ça donne bien l'ambiance de ce mois de novembre en Corse avec les parapluies et la pluie. Là, on se trouve certainement dans les calanques du côté de Piana, entre Piana et Porto, avec cette petite route en corniche, avec ces flaques d'eau, ces difficultés habituelles aux routes corses. Par prudence, on mettait les casques qui n'étaient pas systématiquement obligatoires à l'époque. Et donc c'était la première fois que vous pilotiez une R8 Gordini. Comme Renault sortait au salon de l'automobile du mois d'octobre 64 la R8 Gordini, eh bien tout de suite dans la foulée, le service compétition a voulu impliquer des voitures dans le Tour de Corse qui était une épreuve et qui est toujours une épreuve phare. Donc la régie Renault avait voulu marquer de son empreinte cette compétition et la sortie de cette voiture. Nous sommes à l'arrivée à Bastia avec le président de la fédération de l'époque, Toto Roche, Monsieur Renard de Shell, Pierre Abou de l'équipe, Bob Sicot
de Renault, et c'est vraiment le moment sympathique où on sait que l'on a gagné, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de gagner un Tour de Corse. Et ça marque dans la vie d'un pilote. Ici, c'est une photo que m'a remis Amédée Gordini, qui était un ami de mes parents, mais qui, ce jour-là, était très heureux qu'une voiture portant son nom gagne une épreuve aussi exceptionnelle. Donc ça, c'était le point final de cette belle course. Vous avez été le premier pilote professionnel payé en tant que tel par la Régie Renault. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Ben, c'est tout simple, c'est un enchaînement de faits comme d'habitude. Après avoir gagné la Corse l'année d'après, j'ai couru pour Renault dans différentes compétitions, que ce soit Charbonnière ou Coupe des Alpes, Tour de Corse et d'autres épreuves, tout en courant en parallèle avec Alpine. Et à la fin de l'année 1965, Renault a tenu à avoir un pilote à part entière qui puisse défendre ses couleurs, aller dans certaines manifestations, et a décidé de m'engager comme pilote payé, salarié, en tant que cadre hors catégorie, comme le justifie cette magnifique carte d'époque, qui est la carte de cadre de la Régie Renault avec ma photo, pour le 1er janvier 1966. Et donc j'ai continué à courir pour Renault et pour Alpine jusqu'en 1971. Nous arrivons donc à la présentation donc de la R8 Gordini 1300. Alors là, vous avez été mis à contribution pour cette présentation. Effectivement, avec Yves Blin, qui était le responsable de la presse pour la présentation de la Gordini 1300, il a mis à contribution son pilote officiel et le futur pilote officiel qui était Jean-François Piot. Donc sur la couverture, c'est Jean-François Piot qui pilote ses voitures et moi qui suis passager. Donc là, il y avait la présentation de la voiture, un certain nombre d'infos techniques. Nous avons été sur un circuit de carte pour faire des photos assez exceptionnelles de tenue de route de la voiture. Ici, vous voyez, c'est Jean-François Piot qui est passager et moi qui conduis. Et vous voyez l'appui de la voiture qui prouve quand même les performances de tenue de route de cette voiture. Ici, une belle glissade de la voiture des 4 roues qui prouve bien qu'on peut faire des choses formidables avec cette voiture. Et là, on arrive dans le dossier presse, les deux pilotes devant la R8, Jean-François Piot et moi-même. L'éclaté de la voiture complète. Et ici, la coupe de la boîte 5 vitesses qui équipait la R8 1300. Il y a même le catalogue de présentation, le catalogue commercial de la voiture en couleur, qui était vraiment l'avènement d'une voiture extrêmement performante et agréable à conduire. Voici les deux modèles de R8 Gordini qui ont bercé la jeunesse de beaucoup de sportifs. Ici, vous avez le modèle 1100. Centimètres cubes, 1108 très exactement, sorti en 1964, qui a participé pour la première fois et qui a gagné le Tour de Corse 64. Et 1965, ça a été l'évolution de cette voiture pour arriver en 1966 au modèle de la 1300,
1255 cm3 exactement, avec un certain nombre d'améliorations. Celle que l'on peut voir de face, c'est tout de suite la calandre 4 phares, avec en dessous les petites aérations pour ventiler les freins. Tout l'intérêt de cette voiture est situé à l'arrière. Le moteur, 1255, alimenté par des carburateurs Weber au lieu des carburateurs Solex. Un alternateur, ça c'est pour la partie arrière. La partie avant, il y avait à l'intérieur du coffre un réservoir supplémentaire pour alimenter le moteur qui consommait un petit peu plus, avec à l'intérieur de la voiture un inverseur pour balancer sur le réservoir avant ou sur le réservoir arrière, un tableau de bord plus complet avec un inverseur pour avoir les niveaux d'essence avant et arrière, une pression d'huile et puis un volant spécial qui était plus sportif que la version d'origine. Ça faisait la grosse différence des deux voitures. Lui a laissé son nom. Comme une fusée, elle est faite pour la distance et la vitesse. 175 chronos, plus de 100 chevaux à 7000 tours, avec un petit air de voiture pour tous. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette coque d'acier à la couleur bleue de France renferme une étonnante mécanique de compétition. Un tonnerre de puissance capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. Cela commence par un coup de baguette magique sur la mécanique Renault de tous les jours. Un robuste moteur construit par centaines de milliers. L'enchanteur, c'est Amédée Gordini, éternel amoureux de mécanique, toujours à la recherche de performance. En 1957, Gordini avait déjà ensorcelé le moteur Dauphine. Quelques années après, ce fut le tour du moteur Renault 8, un 4 cylindres porté successivement à 1100, puis à 1300 cm3. Jeune divinité des temps modernes, la vitesse imprègne la vie quotidienne et fascine l'homme dès ses débuts dans le monde mécanique. Ce moteur est équipé d'un vilebrequin à 5 paliers, d'une culasse à chambre de combustion hémisphérique à 2 soupapes par cylindre, alimenté par 2 doubles corps horizontaux Weber 40 DCOE. La puissance maximale à 6750 tours et 203 chevaux SAE. La boîte de vitesse est à 5 rapports, tous synchronisés. La suspension à 4 roues indépendantes. À 2 amortisseurs à l'avant et 4 à l'arrière, direction à crémaillère, frein à disque sur les 4 roues. Les performances sont vitesse maximum 175 km/h, le kilomètre départ arrêté en 31 secondes 9, de 0 à 100 en moins de 12 secondes. Alors là, je crois que nous sommes en 68 et ouais, ça doit être le circuit d'Agadir. Exactement, et ça c'est Agadir après un rallye du Maroc que je devais théoriquement, avec les performances de la voiture, gagner pour un problème de filtre à air mal résolu. Le moteur a rendu l'âme, disons, pas très loin de l'arrivée. Bon, c'est Jean-Pierre Nicolas qui a gagné avec une voiture préparée en groupe 2 à l'époque, qui a gagné le rallye avec beaucoup de panache d'ailleurs, et il avait fait une très bonne chose. Et mai 68 étant arrivé, nous sommes restés bloqués au Maroc, et les mécaniciens qui étaient aussi bloqués m'ont refait la voiture que j'avais pour le rallye du Maroc, m'en ont fait un proto pour courir le Grand Prix d'Agadir. Et j'ai donc gagné avec ce proto aluminium, puisque c'était une voiture extrêmement légère, avec des ailes, des portes, des capots en aluminium. Et j'ai donc gagné le Grand Prix d'Agadir avec cette R8 prototype.
Donc là, on retrouve aussi la polyvalence de l'R8, capable de faire donc le rallye du Maroc, d'aller sur les routes des coupes de la Coupe des Alpes ou du Monte Carlo, et puis de s'illustrer sur circuit. Ah, tout à fait. L'R8 était une voiture, à mon avis, révolutionnaire pour l'époque. C'était une des rares voitures qui pouvait faire la carrière qu'elle a fait. La voiture, quand elle est sortie, était une des voitures les plus performantes de nos routes françaises. Bon, il y avait des voitures d'exception, bien entendu, mais d'une voiture de production, avoir tiré ce que Amédée Gordini avait réussi à faire, plus, bien entendu, la régie Renault à l'époque et ses services techniques qui avaient développé le châssis et l'ensemble de la voiture, mais c'était une voiture formidable. Là, on voit un des moments de détente avec deux équipages mixtes, c'est-à-dire Monsieur et Madame Pio et Monsieur et Madame Vinatier. Mais on s'entendait, vous voyez, très bien, on faisait les reconnaissances ensemble, avec deux Gordini. Pour le rallye des fleurs, qui était l'ancien, ça c'est les fleurs, la base du rallye de San Remo. Et on était restés 3 semaines ensemble à parcourir toutes les routes. Alors on a l'impression que vous procédiez à des essais, non ? Oui, là peut-être qu'à un moment on essayait de faire un passage un peu plus musclé et on couvrait un petit peu l'autre voiture qui faisait l'essai pour voir comment ça passerait. Vous voyez un petit peu les routes. Là, c'était des essais, c'était plus le rallye des fleurs. On avait été faire avec Jacques Ferret des essais de pneus comme on peut voir, des essais de bonne tenue de la voiture, comme vous pouvez vous en apercevoir. La voiture n'a pas résisté, le pare-brise arrière a sauté parce que les voitures n'étaient pas assez rigides. Et donc ça nous a amené à faire des modifications pour pouvoir avoir des voitures performantes et fiables. Ça, c'est Jacques Ferret, qui était le directeur de la compétition Renault à partir de 1965. Jean-François Piau. Ça, c'est des bons souvenirs, tout ça, parce que là, on se rappelle de cette grande famille. Alors justement, là, on voit quelques images de repérage dans la neige. Tout à fait. Ça, c'est le Turini, si je me souviens bien. Ça ressemble tout à fait à ça, avec une R8 Gordini. Parce que même si, à un moment, j'ai couru avec Alpine, enfin, avec des Alpines, plus exactement, on reconnaissait souvent R8 Gordini parce que c'était plus facile de se déplacer avec une R8 quand nous partions pour un certain nombre de jours en reconnaissance pour emmener de nos affaires personnelles, des pneus de secours et un petit peu de matériel, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un service technique qui nous suivait pour s'occuper de nos voitures et faire la mécanique. On devait se débrouiller un peu tout seul. Et là, on se trouve en haut du Turini, à l'auberge où toute l'équipe alpine descendait. Et bon, avant d'aller reconnaître ou avant d'aller faire un parcours routier, eh bien, on change les pneus, on change les plaquettes, on fait un petit entretien de la voiture tout seul, parce que les mécanos, il n'y en a pas. Vous aviez un surnom à l'époque, l'homme des tempêtes, parce que vous aviez le talent de pouvoir affronter des conditions météorologiques exécrables et de vous en sortir toujours facilement. Mais disons qu'effectivement, par exemple, les rallyes comme le Tour de Corse ou Charbonnière, avec la R8 Gordini, se sont déroulés vraiment dans des conditions très très dures, de tempêtes, de brouillard, de pluie. Donc c'était extrêmement difficile. Bon, j'ai gagné la Corse, j'ai gagné Charbonnière dans des conditions difficiles. Donc ça a amené un petit peu ce surnom. Et je dois dire que quand la météo était très mauvaise, ça me motivait un peu plus parce que je savais que je pouvais faire quelque chose pendant que les autres baisseraient plus les bras. Voilà, on a un petit balai des voitures en reconnaissance d'un Monte Carlo au Turini avec Alpine et R8. De temps en temps, on avait aussi des berlinettes. Mais enfin, vous voyez que une berlinette et une R8 cohabitent très bien. C'est vraiment la même conception de voiture.
Hein, d'abord, ce sont les mêmes trains avant et les mêmes trains arrière. Il n'y a que le profil de la voiture, le centre de gravité et l'aérodynamique qui ont joué et le poids de la voiture. Mais bien que la R8 soit très légère, et je pense qu'une R8 aluminium était beaucoup plus légère même qu'une berlinette. Le gros avantage de la R8, c'était sa visibilité quand il faisait mauvais. Il est un fait que, par exemple, j'ai fait la Corse sous une pluie invraisemblable, dans du brouillard et tout, avec un pare-brise presque vertical, on voit beaucoup mieux qu'avec une berlinette, avec un pare-brise incliné. Est-ce que c'était une voiture bruyante ? Non, pas très bruyante. Disons qu'on a eu des fois des protos, entre guillemets, bruyants, parce que les voitures étaient totalement dégarnies de leur ciel de toit, des garnitures de portes, des insonorisants, des tapis. Donc là, c'est sûr qu'il y avait du bruit, mais c'était des voitures de course, avec un moteur compétition et avec un échappement un peu libre. Mais les voitures Gordini R8 qui nous servaient en reconnaissance étaient des voitures qui n'étaient pas très bruyantes, qui nous permettaient de pouvoir dicter les notes et écouter les notes, les corriger de façon plus simple que dans une voiture trop bruyante. Alors là, nous voyons une super partie de boule de neige et on retrouve tous les mousquetaires. Tout à fait, issu de la filiale, de la filière R8. Renault, oui, tout à fait. Jean-Claude Andrehet avec des moustaches. Moi, bien entendu. Il y avait Jean-Pierre Nicolas tout à l'heure, puis Jean-François Piau. C'était quelques bons moments comme ça, vous voyez. Ça, c'était les moments de jour, et puis il y avait les moments le soir dans les restaurants où on passait des bonnes soirées avant d'aller reconnaître, parce que à l'époque, moi je sais que personnellement, mon véritable travail commençait après le repas. Et pour aller reconnaître un peu vite, je dois dire. Mais c'était le seul moyen de faire quelque chose. Les étapes spéciales, et jamais je me couchais avant 4h ou 5h du matin. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal après à me remettre dans la cadence normale de la vie normale. Gordini, ça se conduit du bout des doigts et avec les fesses. C'est-à-dire qu'on ressent exactement ce qui se passe et on compense aussi bien du volant, une fois qu'on a placé le train avant, et après à l'accélération. Le train arrière s'enroule autour du train avant. Avec une Gordini, on peut éventuellement, bien entendu, faire des têtes à queue, mais sortir tout droit, c'est extrêmement rare. La conduite d'une voiture à propulsion et à moteur en porte-à-faux est un régal parce que c'est un équilibre. Et on est toujours sur cette trajectoire en équilibre et on arrive à glisser la voiture exactement où on veut. Cette fameuse courbe qui resserre un peu, il faut vous rentrer tard dedans, tenir la voiture, là on glisse. Si on freine, on fait 4-2 pour gagner du temps et on balance. On rentre le nez de la voiture et après, avec le volant et l'accélération, on guide la voiture et on débraque à la sortie.
Voici l'évolution ultime d'une R8 Gordini, préparée par Amédée Gordini lui-même, avec un moteur de prototype qui servait aux 24 heures du Mans dans les proto-alpines. C'est une voiture qui a le look groupe 2, avec des jantes de 13, des élargisseurs. Cette voiture a participé à des compétitions, en particulier en Corse, à la Targa Florio et à la Coupe des Alpes, où elle a été en tête au classement général avec un équipage suédois dont le pilote était Bernd Jansson. Cette voiture possède un radiateur avant, à l'inverse des voitures normales qui avaient le radiateur à l'arrière. Et le moteur est un moteur 1500 cm3, double arbre à cam en tête, carter sec, carburateur horizontaux Weber, dont la puissance est un peu plus de 150 chevaux pour un régime moteur de 7500 tours avec un couple important. Cette voiture était une évolution qu'avait proposée Amédée Gordini. Je ne sais pas si elle aurait pu évoluer, mais il y a un exemplaire unique et c'est le seul que je connaisse. Jean Vinatier, pourquoi avez-vous choisi comme invité d'honneur Michel Hommel ? J'ai choisi Michel Hommel parce que d'abord c'est un vieil ami de longue date, on ne pourrait pas dire vieil ami parce que ça fait un peu du passé, mais nous nous sommes connus à Nancy en 1966 ou 65, je ne me souviens plus très bien, mais ça fait de nombreuses années. Et puis, bon, moi j'ai fait beaucoup de rallyes, très peu de circuits, et Michel était un participant émérite de la Coupe Gordini, donc en circuit surtout, mais ils avaient des possibilités de faire un peu de rallye de course de côte, mais il est plus spécialiste du circuit en Gordini, donc je pense qu'à nous deux, on peut traiter très correctement du sujet de la R8 Gordini. Michel Hommel, est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances dans lesquelles la Coupe Gordini a démarré ? Eh bien, ça a été une initiative donc d'Alain Berthaud et Paul Dupuis, qui éditaient à l'époque la revue Moteur. Et ils ont eu l'idée géniale de faire courir ces voitures qui étaient magiques pour toute la génération de jeunes passionnés que nous étions à l'époque. Et donc, ils ont inventé la Coupe R8 Gordini, qui, pendant la première année, jumelait et le circuit, la course de côte et le rallye, et qui, dès l'année suivante, s'était concentré uniquement sur le circuit. Il y a quelque chose de formidable, c'est le sigle de la Coupe nationale R8 Gordini avec cette R8 Gordini volante. Qui est donc l'image de la voiture de Jansson en Finlande. Quand elle saute, oui. C'est un rallye de Finlande, Mille Lacs. Là, on découvre les côtés sympathiques de la Coupe R8 Gordini avec les parcs, avec tous les participants, mais je te laisse Michel. Ah oui, Podium était un des gros partenaires de la Coupe R8 Gordini. La mécanique, on la faisait au bord de la route. On n'avait pas vraiment d'atelier spécialisé à l'époque. Tout se faisait dans la rue ou dans les petits garages sympathiques, mais c'était l'amateurisme à l'état pur. L'amateurisme, la camaraderie, l'aide commune, je crois. Les pilotes s'entendaient bien et passaient des pièces. Et je me souviens même que certains pilotes empruntaient des roues de voiture ou certaines pièces à des propriétaires qui n'étaient pas au courant, mais qui les rendaient quand même après la course. Ça s'est fait en rallye aussi, ça. Et donc, l'avantage de cette Coupe Gordini, c'est qu'avec très, très peu de moyens, en fait, on pouvait enfin faire de la compétition. Ah oui, bien sûr, puisque donc on avait une réglementation très stricte et les voitures donc étaient vraiment de série. Alors on avait le droit, la blanche, j'ai l'impression, on avait le droit d'enlever les cales caravelles, c'était des cales qui permettaient de baisser un petit peu le centre de gravité de la voiture, ça améliore un petit peu sa tenue de route,
Mais autrement, c'est tout ce qu'on avait le droit de faire. Et ça veut dire qu'à l'époque, Renault avait inventé une voiture qui était capable de tourner pendant une heure à fond sur les plus grands circuits français, sans problème particulier. De fait. Ouais. C'est une voiture extrêmement résistante à tout point de vue, que ce soit boîte, suspension, moteur. La voiture était bien conçue et permettait toutes les fantaisies dans le cadre du sport automobile. Il y a une chose qui s'usait assez vite, c'était le Dunlop SP Sport 135-380. Exactement. Il y avait une gomme assez tendre. Ça améliorait bien sûr la tenue de route de la voiture. Mais là, c'est vrai qu'on en faisait une consommation un petit peu. C'est sûr. Les pneus, en rallye, on avait le même problème. Et les pneus, sur une Coupe des Alpes, disons que quand ils avaient fait 250 à 300 km, c'était le bout du monde et on changeait pneus et plaquettes assez fréquemment. Oui, c'est vrai, c'est vraiment la course à la campagne, mais c'est vrai qu'on arrivait par la route, en convoi, et puis les voitures repartaient le dimanche soir dans leur région. C'était le temps où on pouvait arriver avec sa voiture qui avait servi à travailler pendant la semaine, courir le samedi et le dimanche, rentrer chez soi et le lundi reprendre le collier avec la même voiture. Ça, c'était... Ça ne se fait plus, c'est fini, ça. Qu'est-ce qui faisait la différence de performance entre les voitures, puisque le règlement était quand même très strict? Ça se jouait pas uniquement sur le pilotage, je présume? Ça se jouait très légèrement sur la préparation du moteur. Mais enfin, je veux dire, les différences étaient infimes. Et c'est vrai, on avait des préparateurs de génie, comme Lagier, par exemple. C'est vrai que lui était vraiment... était formidable. Et il avait tiré la quintessence de ce moteur. Et qu'en choisissant dans un lot de 50 culasses et dans un lot de 200 bielles, on arrive à faire un moteur un peu plus équilibré au niveau des poids des bielles. Exactement. Et au niveau de... Exactement, c'est là où il y a le bas qui blesse quand on veut dire voiture strictement de série sans aucune préparation. Parce que quand on ne peut pas préparer, on est forcé de choisir. Donc on choisit dans un stock de pièces la pièce qui sera au poids minimum. Ça demande beaucoup de travail de choix, de peser, de contrôle dimensionnel pour avoir les meilleurs jeux entre chemise et piston, les quatre bielles les plus légères mais au même poids. Donc ça, c'est très difficile à faire. Mais quelque part, tout le monde a théoriquement la même pièce fournie par le constructeur qui a été choisie, qui a été monter avec le meilleur jeu, le meilleur réglage. Après, le moteur est réglé le plus finement possible au niveau des courbes d'avance, au niveau des diagrammes de levée de soupape. Et ce qui faisait une petite différence, c'est-à-dire qu'on obtenait le moteur en série avec la meilleure performance. Mais on le construisait. Et on le construisait avec ce choix et ses difficultés. Mais malgré tout, il y avait très très peu de différence, et le pilotage faisait quand même la différence, parce qu'en fait il faut se dire que dans certains cas il fallait beaucoup d'audace pour aller très vite, parce qu'on avait des circuits comme Reims et Rouen où il y avait des grandes courbes qui se négociaient à haute vitesse, et là si vous aviez trois chevaux de plus, je pense que ça changeait pas grand chose. C'était le cœur qui faisait la différence, et c'était la façon de tenir en équilibre cette voiture sur sa trajectoire. Et en fait, Rouen, par exemple, la première courbe, on était cinq à passer à fond. Mais on passait, c'était un peu de la conscience. C'était même plus du pilotage. Bon, le copain, petit copain, disait, passe à fond, on passait à fond. Ouais. On savait que ça passait limite. Et c'est vrai que c'était... Reims aussi, c'était incroyable parce que dans la grande ligne droite, tu as connu l'aspiration. L'aspiration, on était à trois de front et sur 10 rangs de voiture. Et celui qui était au milieu tapait la voiture de droite et de gauche par la dépression d'air. Et ça, c'est vrai que c'était spectaculaire. Vous aviez aussi des souvenirs, Michel Hommel, de Reims? Ah ben oui, j'ai des souvenirs. Je suis resté sur la piste et j'avais été un tout petit peu rapide et je me suis retrouvé... Optimiste. Oui, ça arrivait souvent, Gordini. Je m'étais retrouvé dans l'herbe, complètement à 170 en dérive. Voilà. Et là, vraiment, j'étais en eau. Et je suis revenu par miracle sur la piste. C'était un très beau souvenir aussi. Puis il y avait le tiloin, donc le freinage. Ah là, c'était là. Donc là, les repères de freinage, ils étaient souvent relativement
simpliste. Ouais. On regardait son voisin de droite ou de gauche. Et quand on était, ce que bon, il freine, c'était quelquefois vraiment le dernier qui freinait. Et on dépassait la zone de freinage logique. Et on se retrouvait évidemment dans le fond du tiroir. Ouais. C'est et lui on qui partait, ouais. Il s'agissait quand même de sacrées empoignades, hein, parce que la tôle était largement froissée à la fin de la course. Oui, c'est vrai que, mais je veux dire, les ailes de R8, c'était des petites rondelles toutes simples. C'était très simple, les quatre ailes étaient démontables, donc c'était très simple à changer. Oui, les quatre ailes, on avait toujours un stock d'ailes qu'on trouvait dans les casses, et je veux dire, ça, il n'y avait aucun problème. Bon, pour les portes aussi, c'est vrai que c'était une R8. Très facile. C'était vraiment très peu coûteux. Deux goupilles et puis ça partait. Ouais. Non, c'était... C'est une voiture extrêmement légère, il faut aussi dire cela, c'est que cette voiture, avec une cylindrée de 1300 cm3, avait un poids extrêmement léger, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Regardez ces magnifiques glissades, dérives, c'est formidable. Ma première R8 Gordini, je l'ai achetée, elle faisait un mètre de hauteur, elle avait fait beaucoup de tonneaux. Et en fait, à l'époque, j'étais un étudiant, entre guillemets, mais j'avais surtout les mains dans le cambouis. Et c'est vrai que c'était au grand désespoir de mes parents. Enfin, disons-le, je travaillais mal à l'école. Hein. Et j'avais cette piqûre déjà. Et en fait, n'ayant pas les moyens de m'acheter une R8 Gordini neuve, je l'ai achetée, broyée dans un accident, à un Vosgien. J'ai acheté une caisse neuve chez Renault à Nancy. Et puis, pendant un mois, j'ai transposé les pièces de la voiture accidentée sur cette caisse neuve. Et ça permet de mieux apprécier encore les plaisirs du pilotage quand on a façonné sa voiture de course. Ah, voilà Rouen. Après le départ, on avait donc rentré dans le vif du sujet, puisqu'on avait un premier droite qui se passait à fond, mais qui se passait à fond à 180, mais disons sur un fil. Et c'est là, malheureusement, on a perdu un de nos camarades qui est mort. Là, c'est sûr que c'était vraiment très, très, très chaud, puisque la dérive était vraiment quasiment immaîtrisable, en fait. Il fallait avoir la bonne trajectoire et ne pas respirer dans la voiture. Regardez le départ, c'est formidable d'avoir un paquet de voitures aussi groupées. Même le dernier, il est presque groupé avec les premiers. La dérive dans ce premier virage est magnifique. Après, donc, on a un gauche, un droite. De temps en temps, les Gordini accrochaient. Ça arrivait. Ils se mettaient sur deux roues. Restaient sur deux roues, on faisait des tonneaux. Ça dépendait si on avait du pilote. Le bon réflexe de balancer dans l'autre sens, on tombait sur les roues. Si on tirait un peu dans l'autre sens, c'était la tête. Il faut toute la route. De bordure à bordure. D'ailleurs, je pense qu'après, les organisateurs ont invité d'organiser à Reims et Rouen. Parce qu'on était quand même en décalage. Exactement. C'est vrai qu'au niveau de la R8 Gordini, la Coupe R8, pour la première année, au niveau de la sécurité, on n'avait pas d'arceau. Et je veux dire, c'est vrai que quand on y pense aujourd'hui, on avait un casque, bien sûr, une petite combinaison, et on a eu les arceaux dès la deuxième année. Et des petits arceaux. Bah oui, parce c'était que trois points. Ils étaient fabriqués, d'ailleurs, tout le monde pouvait fabriquer son arceau. Moi, je me souviens, j'avais pris des tubes de chauffage à peu près 20 mm de diamètre. Quand on voit, ça fait presque une barquette. Le toit est à la hauteur du tableau de bord. Sans arceau, ce que ça donne. De toute façon, la course automobile, il était interdit de sortir de la route. Quand on sortait de la route, on payait comptant. Et financièrement aussi. Aussi. Parce qu'en fait, les 98% d'amateurs éclairés qui étaient là avaient même une aile d'occasion ou une porte, etc. C'était toujours une gestion très, très, très serrée. La sanction était toujours lourde. Je pense qu'on ne verra plus de courses aussi spectaculaires que la Coupe Erwin Gordini. Pour beaucoup de raisons, pour des raisons d'équilibre entre les voitures, de conception de voitures,
qui étaient des propulsions toutes égales, des grands pilotes, parce qu'il y avait une sélection qui se faisait parce qu'il n'y avait qu'une compétition de ce type en France. Résultat, il y avait beaucoup de gens qui prenaient le départ et ces courses en peloton étaient capables, étaient possibles seulement avec ce genre de voiture. Au fond, vous faisiez partie d'une confrérie. Est-ce que vous aviez des rites, hormis le fait, par exemple, de se croiser sur une nationale et de se faire un petit signe avec les phares? Est-ce que vous aviez d'autres rites au sein de la Coupe Gordini? Les trois quarts des pilotes campaient. Alors déjà, on se retrouvait dans les campings avoisinants. Et déjà là, la fête commençait, hein, bien sûr, puisque chacun amenait ses produits du terroir. Et notamment un marchand de gâteaux, c'était Grioret, me souviens de lui. Il fabriquait des gâteaux et il amenait une partie de sa production sur les circuits. Quel défilé la nuit au jour G. C'était une nuit inoubliable quand on voit les méchouilles. Ah, ouais. Donc en fait, c'était toile de tente, c'était amateurisme, c'était convivialité, gentillesse. Sportivité aussi, c'est vrai. Michel Hommel, vous avez participé à la Coupe donc de 66, 67 et 68. Vous êtes arrivé cinquième en 67. Quel est votre souvenir le plus marquant, s'il fallait en choisir un? Écoutez, un des souvenirs, ça a été Albi avec Jean-Pierre Jarier, où on s'est vraiment avoiné, comme on dit. Ouais. C'est le terme. C'était le terme de l'époque. Et on avait terminé lui 7e, moi 8e. Et en fait, en arrivant, on avait on avait vraiment sympathisé. Et puis on avait passé la soirée ensemble. Et on avait constaté que Sport Auto, à l'époque, ne parlait pas beaucoup de la Coupe Erwitt Gordini. Et que la presse automobile de l'époque ne parlait que des grands champions. En fait, il manquait un magazine pour les amateurs. Et en fait, c'est ce qui a été le déclic de la création d'Échappement. Disons, un an après, on lançait Échappement. Est-ce qu'on peut dire que la R8 Gordini a été une des voitures de votre vie? Je pense que les gens qui ont fait la Coupe Gordini, qui ont fait des rallyes à l'époque, sont marqués à vie par cette mécanique. Et tout le monde en parle avec émotion parce que c'était un temps extraordinaire. C'était le temps des copains, c'était le temps du plaisir de conduire, de participer. Elle était quand même très, très avant-gardiste. Hein. Mm-hmm. Et c'est encore une voiture aujourd'hui très décente à piloter. Hein. Tout à fait. Il y a un moteur extraordinaire, une mécanique simple et formidable. Donc, je pense qu'elle avait encore de beaux jours et on prend toujours autant de plaisir à la conduire. Elle est dans notre cœur. On doit tout ça à la course, à la recherche. Et c'est la course qui nous a permis cette recherche. On a acquis beaucoup d'expérience dans la course et maintenant, cette expérience, nous essayons de l'utiliser sur les voitures de tourisme.